viens de tilter qu'il y avait un vélo au-dessus de l'escalier. Voilà. Je vous tenais juste à partager ça. C'est le grand jour aujourd'hui, ça me vient de me revenir. Tu vas bien? Je sais, tu dois aller voir tous les jours. Ça me brise le cœur qu'il soit parti. Je veux encore tant de choses à lui dire. Pourquoi ne peut-il pas rester? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ah ouais, t'étais à fond sur lui. Mais t'es pas le seul. Il était très populaire chez les filles. Ah, parle de Maruki? C'est vrai que comme par hasard, le jour où Maruki part, c'est le jour où on fait notre... Ah, Sawata. J'ai même pas calculé. Bon. Oh, Maruki, je vais pleurer. Maruki. Maruki. Non, je déconne, je me mouche. Hein. Ça, c'est dégueulasse. Je vous coupe. C'est bon. Maruki. Pas de problème. Plein d'amour pour Maruki et Sojiro et Akechi uniquement. Oh Maruki. それとは別で君と話したいんだ。せっかくだし、お昼は僕が用意しておくよ。それじゃ、後で。マルキ先生、行っちゃうんだ。もう半年か。早いよな。マルキ先生から一言をいただきたいと思います。 では先生、お願いします。おはようございます。教頭先生からお話しいただいたように、本日で僕の任期は終わりです。この半年間、カウンセラーとして様々な悩みに触れてきました。恋の悩みから勉強関係、僕と同じお金の悩みの人もいましたね。そんなみんなに僕から最後のカウンセリングです。辛かったら 逃げてください。目の前にある理不尽な現実が全てだって思わないでほしい。要するに悩みがあっても思い詰めすぎない方がいいってことです。マオキ。せっかく生まれてきたんだ。どうせなら毎日幸せに過ごす方がいい。そんなみんなの幸せを僕はこれからも応援しています。 Oh, Maruki, non! C'est exactement comme ça que je vais pleurer, moi aussi. Hein. Oh, Maruki! Maruki! しようと思ったけれど、少し時間を置いた方がよさそうね。うん、私たちが入れるスキーなさそう。いや、もう消えます、プロフェッサー。来てもらって悪いね。囚人で食べる最後のお昼ってことで、最高の。あ、レプロケチ、え、ils ne font pas pitié comme elle。お値段的に見送ってたけど。 Non, il lui suce la bite, c'est pire. Ça sent tellement bon, c'est incroyable. Il y a ces lunettes qui sont enduites de buée. C'est ça la vie d'un binoclard. Maruki. Yappari takai mono umai yo. Kono koufuku kan ni zutto hitatte itai ne.
さて、食事も済んだし、本題に入ろっか。まずは報告から。論文完成したよ。Félicitations. 前にも言ったけど。Oh, la musique s'est carrément coupée. Comment vous savez ça ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Comment vous savez ça ? 否定はしないんだね。そこに置いてある論文のタイトル見てくれるかい？ Interprète le réel via la science cognitive et l'altération du réel via les influences extérieures. Je suis en train de faire何らかのアクセスを行うことで対象者の認知に変更を加える手法、それが君たちの行っている改心なんじゃないかと思ってるんだよ。Vous savez des choses。認知科学については心血を注いでずっと研究してきたからね。もう少し白状すると、今年の4月ちょうどこの学校の校長に呼ばれカウンセリングについての話をしに来た時のことだけど。実は僕、君たちがさっき言った個人の現実から出てくる瞬間を囚人学園の路地裏に君たちが突然現れてね。えべ？坂本君と高牧さんも一緒だ。Mais tout le monde nous a vu faire en fait。彼女、ひどくぐったりしてたようだったけど。ありがとう。C'est vrai qu'on le, c'est lui en fond qu'on voit là, putain.そしてその後に起きた鴨志田先生の改心だ。おまけに君たちは鴨志田先生と深い因縁があったと聞いてね。Voilà un retournement de situation bien connu des fans de One Piece. Comment ça s'appelle déjà ce concept là quand tu mets un élément très tôt et qu'en fait il a un, enfin très tard en fait ça peut avoir ce mini élément tu te rends compte qu'il avait un intérêt?C'est. Je sais plus comment, mais les fans de One Piece ils passent leur temps à se branler là-dessus, c'est ouf! Oh là, du foreshadowing! Oh les fans de One Piece! Oh là là, les fans de One Piece ils adorent ça le foreshadowing! Kamoshida sensei no kaishin wa kimi tachi ni yotte okonawareta mono daro tte ne. J'appelle le bullshit de la branlette! Comme vous voulez!実はね、僕は学生時代からずっと認知科学の研究を続けてきた。個人の認知に干渉することで苦痛や絶望に苛まれた人たちの心を救うことを試みてたんだ。でも訳あってその研究が認められることはなかった。僕は研究を諦められないまま自分の仮説の正しさを立証する方法を、そんな中でちょうど出会ったのが君たち心の回答団だったってわけさ。心が踊ったよ。君たちさえいれば僕の研究を完成させることができるかもしれない。そう思って僕は君たちに近づいたんだ。今まで黙っていたのは変に警戒されないようにって思ったからかな。これで全部かな。僕を軽蔑するかい？取引か。そう言ってくれるとありがたいよ。ちなみに僕としてもこのことは誰にも言うつもりはないから。信じられないようなら今ここで僕を改心してくれても構わない。君のおかげで僕はようやく自分のなすべきことが分かった。今ある現実に抗う。この研究でもっと世の中を良くしてみせるよ。回答団の言う世直しとは少し種類が違うものかもしれないけどね。On définit tous différemment la justice. Moi aussi, je vais faire de mon mieux. On fera chacun son mieux, Maruki. 君はいつだってまっすぐで自分の中の正義を。Maruki rend de leur aim aussi. そんな君と出会えて本当に良かったと思ってる。根性の別れってわけじゃないけど。今まで本当にありがとう。
Oh, Maruki. Et du coup, Social Link à fond. Qu'est-ce que ça me donne? Pleine conscience restaure davantage des PC. Pas mal. Oh, va où, Mana? Il est pété, lui? Oh, il est pété, c'est sûr, il est pété, c'est Maruki, il est pété. Je me demande si c'est un persona multi ou solo. Vauman. Oh, Maruki. またね。またな。 Généralement les Persona donnés après maximisation, c'est des multi. Bah Alice c'en était pas une, donc ça dépend en vrai. Les géants sont surexcités sur le fun site. Bref, c'est demain le grand jour, j'espère qu'on ne vous n'avez pas oublié. La date du plan? Bien sûr qu'on s'en rappelle. Ça veut dire qu'on va envoyer la carte de visite aujourd'hui, c'est ça? Oui, on n'a pas le choix. La police n'a pas encore bougé, mais on ne peut plus se permettre d'attendre. Le but, c'est d'attendre le plus possible pour faire stresser la sœur de Makoto, c'est ça? C'est ça, et c'est la meilleure option, c'est aujourd'hui. Gingerwell, t'inquiète, Maruki va... Mais faut pas me le dire, ça! Mais Gingerwell, c'est du spoil, ça! Faut pas me le dire! Ginger! Faut pas me le dire, ça! Oh, Ginger! Trahi par Ginger! Oh, c'est pas bien, Ginger, c'est pas bien ça. Très bien, on se retrouve au Café Leblanc. C'est du spoil, faut pas me le dire. Oh, mais non, la surprise, j'aurais pas la surprise. Du coup, je ferai pas Maruki, je ferai. Ah, bah tiens, il est revenu. Oh là là, oh non, Maruki. Faut ban Ginger, elle s'en fout, se la bannisse en 6 secondes. Oh, pauvre Ginger. Mais bon, il... Ginger, c'est pas bien. C'est pas bien, Ginger. Oh, ça dit des choses. C'est pas faux, c'est pas sympa. Je le répéterai au patron. Je le répéterai au patron. À la guillotine. Peut-être pas non plus, mais... Mais non, ne vous inquiétez pas. Dans 106 secondes, c'est comme s'il ne s'était rien passé pour Ginger. On a juste enlevé son message à la vue du monde. Bon bah du coup je l'ai lu à haute voix mais je prévoyais pas le... Voilà. Tout le monde ici en est témoin. Allez hop on continue. Oh non. Faut ban Dazer, il a répondu le spoil. Ouais mais non, pas non plus ban avis quoi. On va pas non plus ban avis, calmez-vous. Ça se trouve, la personne a popé sur live, a vu ça et a juste répondu de but en blanc. Pour sa défense, tu t'en doutais ou pas? Bah, étant donné que Maruki c'est un perso rajouté, je me doute qu'il doit avoir un intérêt plus que juste être rajouté pour avoir un social et partir. Mais malgré tout, il aurait tout aussi bien pu ne pas revenir, tu vois, vu qu'il nous dit au revoir. Enfin, moi je. En vrai, j'en sais rien, c'est possible, mais c'est pas impossible non plus qu'ils reviennent pas. Enfin, faut pas dire, c'est genre. Ça va être une surprise. Président, c'est ban avis. Non, mais allez. Les gars, faut pas non plus. Voilà, calmez-vous. Non mais c'est pas grave, ça se trouve Ginger ne savait pas, et puis tant pis, ça me fera juste une petite surprise en moins, c'est pas non plus, c'est pas comme si c'était un vrai, bon, en vrai, on verra.
Alors, dans le Semakoto chargé de la carte de visite, bah, au final, on nous laisse pas vraiment le choix. Hein. Le leader, c'est moi, c'est plus le personnage que je contrôle, le leader. Hein. Je lui fais confiance, c'est la seule solution. Bah, je lui fais confiance. Hein. C'est avec le coup de l'ordinateur. その分、僕も頑張らなきゃな。じゃあ、侵入場所は裁判所の前で。集合時間は18。了解。いつも通りね。じゃあ、明日に備えて解散。 OK. Ah bah ça y est. Là on est vraiment dans la phase finale de du flashback. Ah bah tiens, carrément. On va revenir dans le présent, ou il se passe quoi? Qu'est-ce que c'est? Y'a pas Akechi déjà là. Pourquoi le tout est en mode illuminé comme si c'était un rêve? Ah bon dieu. Ah bon dieu. On dirait qu'on nous observe. Ouais, bah on verra. On verra, c'est soit un observé, soit c'est parce que c'est un flashback ou je sais pas. On verra, écoute, on aura les réponses. <笑>在任でもない私を返し。バカにして。都合の悪い人間を消したいだけのくせに。先にこっちが捕まえてみせる。怪盗団捕まえたら、お姉ちゃんが取り調べするんだよね。地下のなんとか室で。な、とて、calculé。おお、前にそんなこと言ってたから。ええ、そうよ。 地下の特別尋問室で。誠は特別尋問室で。誠は限られてるけど、絶対吐かせてやるわ。正々堂々行きましょう。うん。そろそろ戻。 そしたら二人で温泉でも行こうか。あ、carrément。お姉ちゃん、私ね、お姉ちゃんの味方だよ。誠。変な子。電話。じゃあ私部屋行ってるね。 Ça a été vite. Pourquoi son palais est un casino? Parce qu'elle voulait être la meilleure dans son domaine, parce qu'elle doit se battre. Enfin bref, ils avaient plus ou moins expliqué. C'était par rapport à ses convictions. お耳に入れておきたいことが。怪盗団からの予告状です。私は待機？しかも捜査の指揮権を別の者にって。あ、いえ。 Yosh. Bon, je suppose que même si je me fais masser par Kawakami, je pourrais pas. Désolé pour l'attente, je crois que tout s'est bien passé. Merci Makoto, tout se déroule comme prévu. Allez, on y va enfin, je dois avouer que je suis un peu nerveux. On va pas tout faire foirer, hein. Et c'est toi qui dis ça. Soyez indulgent avec moi, je vous dis à demain. Attendez, oh, j'aimerais qu'on répète l'opération encore une fois. L'avons déjà fait un peu plus tôt, non? Elle prend tribunal pour un lieu de jeu et le casino, c'est là où la roue tourne plus facilement. L'avons déjà fait un peu plus tôt, non? Cette mission est primordiale, on ne doit rien laisser au hasard. Très bien, notre objectif est le trésor de Sae. Nous avons rendez-vous au tribunal demain à 18h. Bien. Quelque chose à ajouter à ceci, Jeff? On va réussir. J'aime bien. On refait la mission, hein. On a rendez-vous demain à 18h. Ok, c'est bon, quelque chose à redire, chef? On va réussir. Une bien belle amitié empreinte de confiance, je ferai de mon mieux, moi aussi. Allez, allez, allez. Oh bah voilà, je crois que je peux plus rien faire. La seule chose qui me reste, c'est... Est-ce que je peux au moins faire du curry?
pour les PC. Nana. Appareil du curry, on va faire ça, hein. Ça va bien se passer pour l'instant. Il y a beaucoup d'ingrédients dans le curry, non? Est-ce que tu viens d'y mettre des fruits? Oh non, le scan dans mon curry, des pommes. Ok, des pommes dans le curry. Waouh, je pensais pas que les pommes iraient si bien avec un curry épicé. Tu mélanges tout avec un tel enthousiasme. Oh! Ah oui, d'accord. Il le mange avec sa main droite. C'est la partie gauche du curry qui disparaît. Ah, c'était bizarre. T'es là vraiment fier de toi. Cette recette a vraiment été écrite avec amour. Essaie d'en manger dans le métavers, ça guérira peut-être aussi tes blessures. Ah ouais, il déconne zéro quand il mange du curry. Hein. Sateto. Supprimé par là demain. Pas de doute, ils sont coupables. Bon. Makoto, yokokujou no hou wa. Onee-chan ni miseta wa. Watashi ga kono te de. Makoto. Kimochi wa wakaru ga, shita o muite wa irarenai so. Ah. Hakkiri itte, konkai shikujitta na. Ibasho nakunaru dokoro ja nee. Inochi datte torare kane nee. Daijoubu yo. Watashi datte onee-chan no koto zettai sukuitai kara. Oh, la musique. C'est parti. On y va. Ah, ça y est. Ah, ça devient intense là. Là ça devient intense, j'espère que j'ai pas trop galéré sur le boss. Ça devient... Oh, ça devient intense, on est en tenue de danse et on est prêt à retourner la soirée. Oh, j'ai envie d'y aller à pied pour qu'on profite au max de la musique. J'ai envie d'y aller à pied. Oh, ça va être bien. Oh là. En fait, je viens de penser à un truc. Il a dit on peut passer par l'entrée principale. Je suis littéralement passé par les autres passages. Donc, l'entrée principale, bon... Allez, l'étage des joueurs VIP, on y va. C'est la version chantée en plus, c'est vrai. Oh, ça y est, on y arrive, on y arrive. J'aurais peut-être dû se verder avant de rentrer. Vous êtes venu comme je l'avais prévu. Comment ça prévu? Non, le trésor était placé évidemment en évidence. Pourquoi? Pour nous attirer ici. C'est donc pour ça. Bonjour Kakashi SSJ Blue. Avant toute chose, je tiens à vous féliciter. Jamais je n'aurais cru que vous arriveriez jusqu'ici. On préférait le trésor à tes louanges où tu l'as caché. Bon, c'était évident qu'il serait planqué derrière. Venez, mettons un terme à tout ça. On dirait bien qu'elle veut qu'on aille le chercher. Bon sang, elle se fout de nous, allons la choper. J'ai peut-être juste retourné sauvegarder avant parce que bon, en vrai... voilà. Je fais le malin. Salut Kakashi, j'espère que tu vas bien. On va juste sauvegarder parce que bon, voilà. Hein.
Sait-on jamais, une mort est vite arrivée. Prenons pas de risques. Allez, on y va. Moment de vérité. Tu auras plaisir à du PS5 après avoir terminé l'original avec tous les confidents. Ah. Bah moi je découvre le jeu en version royale, donc on va voir ce qui se passe hein. On arrive enfin à un moment où il va se passer des choses depuis le début du jeu là. Ouh, on attendait ce passage, donc là on en profite. On en profite et on va voir ce qui va se passer. Allez, c'est parti. Allez, là vraiment on perd pas de temps, je veux avoir la suite du scénario. Tout le monde est prêt? Oui, on est prêt. Oh là là, c'est parti. Allons-y. Ça y est, je te protégerai quoi qu'il m'en coûte. Allons-y. J'avais la flemme de recommencer celui-ci. Bah, surtout que de ce qu'on m'a dit, apparemment, ça valait pas le coup de refaire tout le jeu juste pour les Ajoukia. ここなら思う存分暴れられるから案内してあげただけのこと。お姉ちゃん。お父さんが殉職した時、犯人を心底憎んだわ。正義の殉職って言えばヴィランだけどね。残された方はたまんないわよ。私がどれだけ苦労したと思ってるの。僕の買いかぶりすぎでしたかね。もっと高尚な言い分だと思ってましたけど。 Voilà, quand même un palace, on était à la base. Une roulette. J'espère qu'il n'y aura pas un côté aléatoire dans le combat. Allez, c'est parti. Combat contre Sae. Bon. Il va se passer des trucs, hein. Je sais qu'il va se passer des trucs. Ça peut pas bien se passer. Il va y avoir une douille quelque part. Ah, j'ai peur, moi. J'ai pas l'impression qu'on lui enlève le PV. Ou alors qu'elle a une trop grosse barre de vie. Elle a pas pris de dégâts. Bah en fait elle prend des dégâts mais j'ai pas l'impression que ça lui enlève de barre de vie, on verra bien. Dégâts maudits élevés sur un ennemi. Ta-ta-ta. Dégâts bénis, allez hop on va tester ça. Ouais sa barre de vie descend pas. Oh, c'est juste qu'elle a tellement de PV qu'on le remarque pas. Bon, rien que ça. Au moins, on n'est pas timé. Pour le moment, je peux pas faire grand chose de plus en tout cas. On se fout des règles, bah j'avais pas d'autre option hein. Oh putain que sa mère. Ok, j'aime pas trop les pénalités.
On va peut-être soigner Joker, hein. Oh, donc elle veut vraiment que je fasse quelque chose. Elle veut vraiment que je fasse quelque chose. Franchement, je peux attaquer à rien d'autre. Je peux attaquer littéralement qu'elle. Faites attention à la pénalité. Bon, attendez, je vais quand même soigner l'autre. Tac 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 tac, rend tous les PV à un allié, balancer une perme, garde. C'est possible. Utilise la parade. Qui te rien laisse la réfléchir sur ce jeu. Bah maintenant qu'ils m'ont dit ça. Alors, prédisez dans quelle case la balle va tomber avant le début du tour. En fonction du résultat, différents bonus seront considérés aux alliés ou aux adversaires. Plus la prédiction est risquée, plus les bonus sont importants. Considérez bien la tournure du combat avant de choisir où placer votre mise. Alors, comment dois-je jouer? Gros risque balle récompense, petit risque petite récompense. Ah ouais. Eh, bannissez pas à vie, hein, par contre. Hein. Bannissez pas Ginger à vie. Parce que pour le coup, Absogami a aussi spoil. Donc, ça sert à... Bannissez pas à vie, les gars. Un ban, ça suffit. Débannissez Ginger, quand même. Les gars, quand même. Ici, on n'est pas des rustres. C'est la deuxième en deux commentaires. Bah oui, mais quand même. Bon. Je pense qu'on va partir sur un petit risque. J'ai pas envie de prendre de risque gros. Ah merde, par contre il me demande aussi de choisir la couleur. Rouge ou noir. Allez, partons sur du rouge. Avec ma chance, vous allez voir que ça va tomber dans le vert. Du coup, en fait, je pourrais absolument pas gagner si ça tombe dans le vert. Parce que le vert, j'arrive même pas à voir c'est quoi le chiffre dedans. Ne connaît pas, donc j'ai laissé couler. Oui, mais débannissez quand même Ginger, c'est pas la peine de bannir pour autant. Ou à la limite, si vous voulez vraiment bannir, faites un ban qui dure, mais pas un ban définitif. Oh les enculés! Mais en fait, de toute façon, s'il y a triche, quoi que je choisisse, je perdrai. Donc au final. 1800 secondes. Ouais, ça va. Du coup... Non mais, du coup, maintenant qu'on lui a fait la remarque, je pense que Ginger a compris. Oh là là. Maintenant qu'on lui a fait la remarque, je pense qu'elle a compris. S'il y a rebanni, là, vous ferez un bannissement qui dure. Mais maintenant, bah, c'est bon, laisse couler. Oh là là. Alors, absolument pas, j'ai compris le truc. Bah moi, ce que j'ai compris, c'est que quoi qu'on choisisse, en fait, dans tous les cas, elle nous mettra perdant, donc... Est-ce qu'il y a vraiment moyen de gagner? Tu fais trop peur d'azur. Non mais les gars, à un moment, faut arrêter de vouloir ban... Enfin... Moi je veux bien qu'on dégage les messages qui spoil, mais de là à bannir définitivement, bon. Trop gentil Dada. Est-ce que c'est moi qui suis trop gentil ou vous qui êtes trop méchant? Bon du coup si je l'attaque, clairement je vais encore me prendre une douille. Cette fois, on va prendre une grosse mise. Gros risque, belle récompense. Sur quelle couleur parier? Alors. Moi, je mise de 1 à 12.
Le 4, mon chiffre porte-bonheur. Ouais, donc clairement, rip l'argent. Oh, ça s'attaque à mon argent. Ah, mon argent, c'est un nom par contre. Je me demande si je suis pas obligé limite de dire oui, j'ai compris le truc. Mais bah, dans le fait, c'est gros comme une maison. Parce que pour moi, quoi que je fasse, là, elle triche. Donc, attendez, qu'est-ce que je peux faire qui peut l'empêcher de tricher? Parce que sachant qu'on peut l'attaquer que elle. Je vais lui dire que j'ai compris le truc. En fait, elle ne triche pas, les casses sont trompe-l'œil. Oh, mais on était obligé de lui dire qu'elle trichait. Il y a un capot en verre. Ah, mais si c'était que ça, moi je pensais que c'était vraiment quelque chose qu'on devait faire. Ah oui, bah c'est tout de suite plus simple. Donc, on veut qu'elle triche, je devrais peut-être envoyer quelqu'un le faire. Oui. Alors, envoyer quelqu'un le faire, j'ai rien broché, je devrais y arriver. Tu veux que je m'en occupe? Ok, je vais faire de mon mieux. Je m'en charge, je ne manquerai pas mon tir. On va tout miser sur Akechi, sachant qu'Akechi c'est pas le plus utile en combat. Mais du coup, comme ça, je suis tranquille. Donc autant que je fasse des grosses mises. Mais oui, mais justement, moi je me disais, mais attends, faut que je fasse quoi si je peux rien faire? Parce que l'autre il me demandait, est-ce qu'elle triche? Bah oui, elle triche, enfin, comment tu veux que je fasse pour le prouver? Mais en fait non, faut vraiment, on est obligé de lui dire qu'on sait qu'elle triche. Du coup. Donc autant prendre une grosse mise du coup. Comment je dois jouer? Gros risque et belle récompense. Allez hop. Et on va toujours parier de 1 à 12. Par contre c'est quand même gros qu'elle nous ait pas vu aller envoyer quelqu'un pour tirer sur le... Alors si Akechi se trompe, qu'est-ce que je ferais? Ah bah voilà! Est-ce qu'on peut jouer normalement maintenant? Elle a l'épée de Cloud. Ça veut pas dire qu'on fera pour autant FF7 Remake ensuite, hein, je vous dis direct. Et du coup là ça devient un combat lambda? Ah pas forcément. Bon. J'espère qu'on verra son attaque spéciale. On verra, hein. Bon, déjà, je lui enlève toujours pas de PV, j'ai l'impression. Ah, quoi que si, cette fois ça part vraiment. Bon, bah, on peut y aller. Ok, le combat est déjà un peu plus legit. De la glace. Il faut l'attaquer avec. Ah non, c'est elle qui utilise la glace. Ah oui, ça reste quand même très aléatoire du coup ces attaques.
Attendez, soit c'est elle qui a de la glace, parce que là, elle a fait une attaque glace sur Anne, mais pas forcément sur le héros. À moins que le héros... Attendez, est-ce que j'ai un personnage qui renvoie la glace, là? Mara, il renvoie la glace? Non, pas du tout. Ouais, vraiment, elle a fait une attaque physique sur Mara. Donc, soit elle est d'éléments glace, soit elle est d'éléments feu. Donc on va taper dans le feu, plutôt. Hop. Ça se trouve, ça signifie juste que les attaques glace nous accordent un bonus pendant ce tour-là. Ou vraiment, ça, j'ai fini juste l'attaque café et puis basta. Hein. Du coup, c'est juste du pif, et ça sert à pas à grand-chose. J'espère on verra cette attaque spéciale. Bah... Après, je pense qu'il y aura d'autres phases, parce que là, elle prend assez cher. Et elle prend assez cher et elle sert pas à grand chose. Hein. Si c'est juste ça le combat, ça me paraît être un peu trop simple. Bon, merci Royal Pancake de l'abonnement. Oh, monsieur Royal Pancake. C'est possible, Alphagami. Mais si c'est ça, bah du coup, bon, elle peut nous balancer n'importe quoi, mais c'est pas vraiment problématique. Bon, elle a quand même l'air de garder l'élément à un bon moment. Hein. Bon. Est-ce que j'y vais en mode cash? Il est énervé avec Ketchy quand il dit Persona. Ah bah Ketchy il est pas souvent énervé déjà de base pourtant. Est-ce que j'y vais cash ou pas? Bon allez. On va prendre Monsieur Ball. Ah, le physique, elle s'en bat les couilles. Faudrait dire qu'elle est censée avoir un skill pour éviter plus facilement les attaques de glace. Je me sens tellement arnaqué maintenant avec ce skill. J'hésite. En fait, j'hésiterais presque à l'enlever d'ailleurs. Vu son utilité. Dire attendez, j'ai pas testé de lui envoyer de la glace. Voir si ça avait un effet bénéfique pour moi aussi ou pas. Quoi qu'attendez, j'aurais l'air con si elle me le renvoie. Si elle me le renvoie, par contre, je suis dans la merde. J'ai pas un perso qui a de la glace et qui l'absorbe ou que je. Parce que si je lui ai fait de la glace et qu'elle me la renvoie, là, je serais vraiment dans la merde. Hein. Est-ce qu'il est-ce que j'ai jamais pris? Ah, attendez. On va voir. Est-ce que si moi je l'utilise, ça m'apporte quelque chose? Effectivement, elle me le renvoie. Oh, j'ai bien fait. Oh, je l'aurais attaqué avec balle, j'aurais eu un game over. Oh, j'ai eu de la chance. Autant dire que là, je l'aurais attaqué avec balle, je serais mort. Ah, bon Dieu. J'ai frôlé le game over. Ah, mais je suis passé à deux doigts du carnage. Putain, faut que j'arrête de faire des attaques maudites avec Akechi. À deux doigts de me faire tuer, putain. Bon, du coup je suppose qu'elle a changé d'élément. Oh, elle est tellement belle cette attaque. Elle résiste à pas mal de trucs en vrai. Hein. Je comptais sur la chance au final, mais quand ça marche, j'étais bien content. Enfin, par contre, en vrai, je suis pas très fan de son design. Hein. Elle est un petit peu. Bon, voilà quoi. Ah, oula, du Megiddo. Les attaques neutres.
Il y a vraiment la patriarche de Killing Floor. Mais j'ai jamais joué à Killing Floor, donc je sais pas pour le coup. Ok. Oh, c'est gentil. Oh, ça me rend pas grand chose. Hein. Ça me rend pas grand chose. Du coup, est-ce que ses faiblesses ont changé? Oh, attendez. D'abord, on va se soigner. Hop. Oh putain! Alors le Megiddo là par contre il rigole pas. Hein. Du coup je vais quand même me soigner. Allez, en vrai Megiddo ça m'arrange pas. Hein. Bon, il va attendre un tour de plus, l'autre. Hop. Faut moins le héros, faut moins que je soigne le héros. Limite si les autres crèvent du moment que le héros survit. Le critique à 600 sur Akachi, ça n'aide pas, c'est sûr. Ok, tatata. Allez, on va rendre vie à Akachi. Mais pour le coup, Akechi, je regrette vraiment de l'avoir laissé dans l'équipe, hein, parce que il est pas au top. Salut Kiroa, ça va? Alors, je soigne le héros. Priorité sur le héros. Hein. Aïe 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 aïe. Bon, faut attaquer. Ah oui, d'accord. Oh ah là 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 là. Une mort. Bon. J'avoue que je m'attendais pas à mourir. Mais du coup, je sais pas si ces attaques sont réellement choisies aléatoirement et j'ai pas eu de bol sur le Megiddo. Mais bon. Elle a réussi à prendre l'avantage. Bon, on va directement recommencer le combat. Ce one shot. Non, bah one shot. J'étais pas full PV. J'aurais dû... En fait, le problème, c'est que j'étais piégé entre je dois soigner mes alliés, me défendre et bon. C'était la spéciale de Sai aussi. Donc, ça, sa fameuse spéciale dont tu parlais. Du coup, le combat a repris du début. Sourire, j'étais en visioconférence, mais je suis sûr que tu as trouvé ta réponse vu la difficulté des questions. Ah, Kratos, tu sais, sans toi, j'étais un peu perdu. Par contre, Kratos, on avait une autre question. On avait une autre question, Kratos. Mais on t'appellera ultérieurement pour ça, du coup, vu qu'on est sur un boss. Ah, par contre Kratos là on est dans un passage important du jeu.
Attention, hein, on sait tous que tu vas faire Persona 5, tu devrais éviter de rester. J'ai pas tout suivi hier, mais je vois que le harem avance bien. Oui, on a ramené dans le harem... comment ça s'appelle ? Ifumi ? Oh, si j'oublie le nom des filles de mon harem, ce n'est pas vraiment respectueux. Mais que voulez-vous ? Je sais pas si j'ai l'examen à passer. On n'est pas diverti par son skill, mais on est diverti. Comment dois-je jouer ? Cette fois, grosse récompense. Allez hop. Et n'empêche, ça m'a fait économiser les 9000 yens qu'elle m'a retiré tout à l'heure. Et ça, c'est pas négligeable. Est-ce qu'elle a un tatouage dans le dos? Ou est-ce que c'est sa robe? Si c'est un tatouage, il est un peu dégueulasse. Hein. Qui sera la prochaine cible de ton harem? Futaba, je pense. Parce que Futaba, elle, c'était une... Bah, il y a aussi Kazumi, enfin, toutes celles qui ne sont pas ratées, ce sont des cibles de mon harem. Elle en a un sur l'épaule, pas sur le dos. Attends, vraiment un tatouage sur l'épaule? Parce que je vois, Psogami, tu as fait attention aux détails. Oui, c'est un tatouage. C'est vraiment un tatouage sur le dos. Parce qu'on aurait dit une partie de son fringue. Genre sa robe. Bon. Alors. Maintenant. J'en avais oublié le... Quand on a essayé d'abattre juste avant, j'avais complètement oublié l'existence de mon persona spécial buff et debuff. Du coup, je l'ai pas utilisé. Et quand on a battu, je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'aurais pu utiliser mon persona pour éviter de mourir. Bon, on part sur du feu. Ça va. Je crois même pas qu'il y ait de perso qui soit faible au feu dans mon équipe en plus, là, actuellement. Donc c'est cool. Et du coup, on va maintenant tester. Est-ce qu'elle change réellement d'attribut à chaque tour? Ouais, elle change vraiment d'attribut à chaque tour. Donc là, si je fais du feu, logiquement, ça lui fait rien ou elle me le renvoie. Ouais, elle me le renvoie. Ok, ok. Exact. Bon, bah, Anne ne peut plus rien faire. Pour autant, je vais pas la changer. Bon, bah, on va bourrer, hein. Oh là là, par contre, elle a vachement de résistance. Je sais pas si ses résistances aussi changent ou pas. Ah, d'accord, ok. Ouais, t'inquiète pas. Hein. Résistance à la glace, ça va pas durer. Du coup, faut pas faire de feu, faut faire de la glace. Là, par contre, ça va être dangereux pour elle. Hein, parce que la glace, logiquement, on va la congeler là. Ah non, même pas. Bon, je sais pas si on peut congeler un boss en fait. On verra bien. Résistance. Ouais, bah du coup j'ai remarqué que c'est résistance. Enfin la résistance. Bah ce que je sais c'est que ce qu'elle renvoie change. La résistance, ouais, il y a moyen aussi. En fait c'est pas possible de congeler un boss. Oh là là. Ah par contre en vrai le feu ça m'arrange hein. Et reste sur du feu autant de temps que tu le veux. Mais du coup elle a vraiment pas de faiblesse quoi. Elle a zéro faiblesse. Akechi, non mais Akechi, vraiment, bon, en vrai, je pourrais le dégager, mais bon. J'aime pas changer mes persos en plein combat. Puis c'est terrible, mais je pensais me faire une équipe harem avec Haru dedans. Au final, Haru, en termes de personnalité, elle est tellement inintéressante. Et même en combat, elle est pas ouf, enfin, je sais pas. Je suis assez déçu de Haru, hein. Je m'attendais clairement à mieux.
Genre limite, je suis à deux doigts de ramener Yuzuke dans la team. Hein. Parce que finalement, Yuzuke, il était pas mal. Hein. Akachi sert à rien parce que vous savez pas l'utiliser. Bah là, elle est résistante à toutes ses attaques. Donc actuellement, pour le coup, il est vraiment pas spécialement utile, mais bon. Bon alors là. Là. Est-ce qu'elle va être relou ou pas? Oh, j'espère juste qu'elle va pas retomber sur Megiddo. Megiddo, c'est pas fun hein. Juste Oh mais c'est... en fait je pense que c'est fait exprès. Quand sa barre de vie arrive trop bas, à mon avis elle est obligée de tomber sur Megiddo. Je suis sûr que c'est fait exprès hein. Ou alors j'ai vraiment pas de bol. Alors fait son attaque spéciale. Ah ouais, fait vraiment mal hein. Elle fait vraiment mal. Elle est où? Kaguya Piccolo! Bon! Alors, c'est nouvelle. Bon, là déjà, elle craint les attaques de ma. Enfin, craint. Elle les craint pas, mais elle peut se prendre les attaques de Makoto en tout cas. Et. Celle de Akechi. Oulalalalala. Ok. En vrai, je me dis, il y a peut-être moyen qu'on réussisse à la tuer ce tour-là. Quoique. Vas-y. Est-ce que je tente quelque chose? J'ai peur qu'elle soit résistante au psy. Ce qui est sûr, c'est que... Ouais. Qu'est-ce que je fais avec ça? Elle nous fait des attaques shot. Bon. Allez, on va y aller le tout pour le tout. Oh, j'espère juste qu'elle me renverra pas la glace. Bah non, normalement, elle me la renvoie pas. Bah j'y pensais, mais le problème c'est que d'un côté je me dis faut que je me soigne. De l'autre je me dis oui, mais en fait Mara de toute façon... Attends, Mara il est où? Parce que j'ai regardé. En fait, si elle est résistante au psy, Mara je peux même pas lui faire de shot parce que sinon elle va me le renvoyer. Et jusqu'à maintenant elle a jamais été faible au coup. En fait, quoi que je fasse, finalement j'en reviens au même. De toute façon, quoi qu'il arrive, là le héros je vais le soigner. Donc je me dis autant bourrer avec balle. Le problème c'est que si elle me renvoie la glace, je suis mort. Après je peux y aller avec le vent. Mais bon, il fait plus de dégâts avec... Bon allez, on va y aller avec le vent. Et on va soigner le héros ce tour là. Là je joue tout sur le héros de toute façon. Donc ouais, 3, ça, clairement ça fait moins mal que la glace. Hop. On rend le héros. Magido, je sais pas si elle a des résistances. On va juste... allez. Donc, tous les PV aux alliés. Alors pas tous les PV, mais un truc qui rend quelques pourcentages. Rend 30% des PV à un allié. Non. 30% de CPV à un allié. Y'a pas un truc qui rend 30% de CPV. Putain, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va partir sur la perle. Rend tous les PV à un allié. Allez hop. Ah, elle va faire son attaque spéciale, je crois. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon. Le moment de... Est-ce que je bourre ou pas?
La question, en vrai j'ai pas, je me dis que c'est pas une bonne idée mais bon. Oh, j'ai juste envie de la bourrer, je suis sûr ça peut passer si je bourre. Un petit boufoudine bien placé là. Après je rends CPV au héros avec Anne. Bah du coup clairement il y a que le héros qui l'a fini là. Ah. Est-ce que vous pensez que je la termine? Oh mais non, mais le jeu me tente. Oh j'ai envie de tenter le tout pour le tout. Ah là c'est qui tout double? C'est qui tout double? Et les gens, attends, les gens, est-ce que vous voulez qu'on balance le spécial? De toute façon, si on propose le spécial, logiquement, c'est déjà qu'elle est très mal en point. Mais alors qu'on soit clair, si le spécial ne passe pas, je meurs là. Soit je soigne le héros et voilà, balance la... Ah, vous voulez tous pour le spécial? Bah dommage pour l'XP. Oui, mais de toute façon, l'XP, on en a là dans le memento, quoi. C'est pas spécialement grave. Tu finis là. Ah, j'ai fini forcément. Ouais, du coup... Ah c'est pareil, de toute façon en plus là c'est avec Yuzuke, donc j'aime bien Yuzuke donc voilà. Bon, je suis surtout dégoûté pour l'XP pour Makoto parce que j'avoue qu'Akechi je pense il restera pas dans la team plus longtemps que ce combat. Hein. Allez, allez, le tout pour le tout, et si ça rate tant pis, j'aurais dû jouer plus prudemment sur la fin. Par contre les tenues de danseurs là, c'est pas au top. Tu peux la finir. C'est drôle, Sibelluna, j'ai l'impression que tu dis pas le terme finir dans le même sens que nous. C'est bizarre, ça. Oh, mais quelle pervibaka, celle-là. Bon, bah voilà. Ah oui, 12 000 d'XP, quand même. Bon. Tant pis pour... Bon, clairement, Yuzuke va revenir dans la team. Je vous dis direct, je vais remettre Yuzuke dans la team parce que j'en ai marre d'avoir des bras cassés. En plus, je préfère largement Yuzuke à Akechi pour le coup. Effectivement, elle a bien un tatouage à l'épaule. Hein. Vous êtes attentif sur le chat, c'est bien. Quand ça vous intéresse, tout de suite. Ah là là. Kenji ni naru tte kimeta toki no kimochi, omoidashite. Sore ga onechan no seigi desho.私の正義。思い出して昔のお姉ちゃんを。私は飯島さんもお父様もそう。何がきっかけで変わっちゃうの。確かに欲望が原因といっても歪んで偏った思考に陥るなんて本人の知らない原因でもあるのか。 あったぞ。 これで捜査が正しく動く。君たちの容疑も晴れるだろう。君との取引、いい経験になったよ。あららら。探偵の僕がまさか回答なんてね。そして君たちは回答から足を洗う。そういう約束のはずだよ。 忘れないでね。長居は無用だぜ。平気か？大丈夫。あ？敵の反応、いつの間に。外に集まってきてる。マジか？どうなってやがる。なんてカスだ。やばくない？主も倒して。 Bon, c'est sûr qu'il y avoir une couille quelque part à un moment ou l'autre. Hein?
Je me demande bien qui. évidemment. Mais en vrai, je trouve ça un peu con qu'on envoie le protagoniste. Enfin, je veux dire, pourquoi envoyer l'élément le plus compétent de l'équipe pour servir d'appât? Envoyer Ryuji? C'est pas grave, Ryuji, si on le perd. Ouais, mais bon, moi je me serais plus débarrassé de Ryuji perso. Parce qu'il est compétent. Mais justement, Ryuji, il est incompétent. Mais non, mais les gars, moi je renvoyais Ryuji direct. Heureusement qu'on m'a pas laissé ce choix là, hein, sinon ça aurait été cash. Hein. C'est drôle comme quand c'est en cinématique, en vrai, il y a beaucoup de monde dans, dans le palace. Donc là, c'est le début du jeu. Là, c'est le début du jeu. C'est drôle, au début du jeu, je me rappelais pas que c'était en cinématique animée. Et là, ça recommande vraiment et bye the dust. T'imagines, on revoit la scène et là, je lui raconte toute l'histoire. Oh, la musique, la musique. Oh, la musique, ça fait plaisir. Enfin, peut-être que je change ma tenue, mais bon. Attendez. Arsène, il se souvient qu'on existe. T'as heureusement pour lui, mon inventaire de personnages n'est pas plein. Alors, du coup, je débloque un nouveau Arsène. Ah non, 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 j'ai pas d'Arsène sur moi. Ok, il est juste venu me dire bonjour. Ok. Bon bah merci Arsène, hein. Ça fait plaisir. Je connais pas ses faiblesses à lui. Je crois que lui il fait du feu. J'ai déjà vu dans... J'ai déjà vu dans les créations de Persona. Enfin, sauf maintenant je suis avec Ball quoi. Au début du jeu on avait pas Ball. Arsène il va être en mode bah bro tu m'utilises pas. Tu m'utilises même pas. Oh les liens avec mes amis Sojiro, oh mes waifu, mon harem.
Est-ce que je change ma tenue ou pas? Je me dis, est-ce que je remets ma vraie tenue, histoire qu'on soit un peu plus en accord avec les cinématiques? Même si j'avoue que la tenue dancing est vraiment bien. La tenue dancing, elle est vraiment cool. Vraie tenue, let's go. Hein, c'est bon, j'ai remis. À dire qu'on a commencé le jeu ici quoi. Tout le monde dans le métaverse d'un coup. Ah bah ça, Absogami, on va sûrement le découvrir. Hein. Parce que bah, ça me paraît aussi bizarre qu'il y ait 20 000 personnes qui pop comme ça. Mais du coup, on a... Enfin, bah, comme ils vont le dire, hein, ils, de toute façon, ils vont répéter ce qui était dit au tout début du jeu. Ils vont dire, quelqu'un t'a trahi. Et c'est là qu'on pourra se poser la question. Qui nous a trahi? T'imagines, c'est Sojiro. Il travaillait pour l'État après tout avant. Le mec, t'imagines, imagine c'est Sojiro alors que le gars on l'a aidé à avoir une fille en quelque sorte, hein. Parce que Futaba l'acceptait pas comme père avant. Alors on verra bien, on verra bien. Et là, il y a Kazumi qui va popper. Kazumi qui n'est jamais venu dans le métavers, qui ne savait absolument pas qu'on avait vraiment besoin d'aide. On lui a juste sous-entendu qu'on était occupé. Mais la meuf, elle savait pas où on allait, on sait pas comment elle est venue. Comment elle a connu le code d'entrée pour Makoto? Pour Makoto, pour Sae. Genre, je veux dire, comment? Comment? Il nous faut des explications, là, je tolère pas. Est-ce que comme on a récupéré la couronne de... La couronne. La source de désir de Sae, elle peut venir maintenant? Je sais pas, il y a... En plus, elle est pas couchée à cette heure-là. Bon, j'avoue qu'il est 18h normalement. Enfin, 18h passées même. Mais non, elle devrait dormir. Surtout à son âge. Enfin, moi, elle me tire dessus quand elle veut. Hein. Alors ça, y a pas de problème. Kazumi... Tu peux rejoindre mon équipe. Parce que Kazumi, à la base, c'est toi la nouveauté principale du jeu hein, dans la Royale. Et j'aimerais bien pouvoir te jouer du coup. La carabine. Oh, elle m'a appelé Senpai. Elle m'a appelé Senpai. Shibiyuna m'appelle pareil quand on est que tous les deux. Elle dit Senpai. Mais bizarrement, elle le fait pas sur le chat. Je sais pas pourquoi. Bon, par contre, t'es bien gentil de venir m'aider, Kazumi. Mais alors, sincèrement, là, je peux t'assurer que j'ai Mara. Hein, donc, Mara, il fait le taf. Hein. Parce que Mara, Mara, c'est quand même une grosse bite quoi, hein, c'est Mara. Oh Mara. Et là ils ont des attaques qui renvoient le physique, tu sais. Oh, j'aurais pu faire pareil. J'ai Mara quand même. Oh là là, le finish, le finish! T'imagines, il y a quelqu'un qui arrive sur le live maintenant, il se dit bah, pourquoi il est au début du jeu? Il commence le jeu! Tu sors ton Mara devant elle. Hein. Ah bah oui! Moi je peux pas me retenir. Elle a quand même dansé. Et elle, elle repart toute seule, c'est bon, ce sera pas difficile. Personne lui court après. Parce que je pense qu'ils tombent sur elle, ils la prennent et ça leur suffit. Hein. Et ça, je ne le tolérerai pas. Hein. Qu'on touche à ma Kazumi. Non, 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 non. Au revoir, Kazumi. T'inquiète pas, il faut aussi que j'aille voir si j'ai gagné la loterie. Donc,
J'ai intérêt à ressortir d'ici Et la broken de ce qu'on a vu. Mais mec, et moi j'ai Mara, tu crois que je suis pas broken peut-être? J'ai Mara, gars. Ah non, Oh. Oh la cinématique. Success. Par contre, c'est vraiment attaque d'enfance, hein. De toute façon, c'est pas une voleur fantôme. Oh, ça, tu sais, quand t'as des personnages, tu peux vite devenir une voleur fantôme. Mais c'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de temps, ça. Ils ont des pistolets quand même. Là il aurait pu se couper, mais bon. Et niqué. Un coup d'Akechi, hein. Ça va être de la faute à Akechi. On a pas l'air con là. Ça va faire mal ça. Ah non, mais Kakashi c'est vraiment du foutage de gueule en vrai. Hein. Parce que pour le coup, ils ont vraiment vendu le remake entre grosses guillemets, enfin, cette version plus là-dessus. Hein. Ils ont vendu cette version plus là-dessus. Hein. Et en fait, c'est un bonus qui arrive quand t'as refini le jeu de base, limite. Hein. C'est n'importe quoi. Ouais, moi, je pense que c'est Akechi qui nous a trahis. Hein. Je vois pas.